Voici la maquette en trois dimensions du projet Lekoua, un immeuble de bureaux dont la construction va débuter à Bayonne, à l'angle du chemin de Sabals et du boulevard du BAB. Les 9000 mètres carrés de friches industrielles ont été achetés par un promoteur privé Essor et entièrement arasés. Ici, on avait un site de stockage et de distribution de produits maraîchers. On a démoli le bâtiment entre décembre 2022 et mars 2023. Donc on a eu une phase de curage, on avait un petit peu d'amiante dans le bâtiment, donc il y a une phase de curage et de gestion des déchets amiantés. On va démarrer les fondations profondes à la fin du mois et c'est un bâtiment qui va s'achever en juin 2025. Deux niveaux de parking souterrain pour 330 voitures. Le site est déjà desservi par le trambus et sera relié par un accès cyclable en fin de travaux. Lekoua répond à une pénurie de bureaux dans l'agglomération bayonnaise. Dans ce projet, on va trouver surtout des métiers du tertiaire, mais aussi des métiers comme du commerce, un petit pôle santé avec des métiers du médical, une crèche, un centre de formation et dans les niveaux, donc comme je vous disais, du bureau, du coworking. Et en termes de commercialisation, on a déjà commercialisé à 80%. Budget de construction de l'immeuble Lekoua, 16 millions d'euros. Les premières entreprises s'installeront dans un an et demi.